Congolaises et Congolais, très chers compatriotes, j'ai un petit message pour vous. Vous qui vous intéressez à la politique, vous qui êtes des vrais patriotes. Je voudrais vous rappeler que les élections vont passer. Le temps de la campagne va également passer. Les affiches seront ôtées de nos vues. Nous demeurerions des Congolais. Ceux qui sont à Boende, ceux qui sont à Makobola, ceux qui sont à Lubumbashi, ceux qui sont à Mbujimayi, garderont l'identité congolaise. Alors, que toute cette turbulence ne nous empêche pas de nous aimer en tant que Congolais. Nous devons continuer à nous soutenir les uns et les autres, quelles qu'en soient nos tendances politiques. Aux politiciens, chers acteurs politiques, qui que vous soyez, votre tendance m'importe peu. Car notre dénominateur commun est sans doute notre cher et beau pays, la République démocratique du Congo. Quand vous allez vouloir séduire votre électorat, pensez à une chose. Le Congo devra rester, le Congo devra demeurer un et indivisible avant, pendant et après les élections. Ceci passe par un discours non viril, séparé de toute forme de ségrégation, sorti du cercle tribalo-clanico-ethnique. Et cela va donner naissance à un Congo fort, un Congo qui donne de l'espace à une diversité politique, un Congo qui donne place à une diversité de pensées, d'opinions, mais tous autour d'une même nation. Donc, je ne peux que dire bonne chance à tous et que les meilleurs l'emportent, que les élections ne nous divisent pas. En tout cas, que les élections ne nous divisent pas. Merci beaucoup et que Dieu bénisse le Congo, que Dieu bénisse la RDC, que Dieu bénisse tout son espace et tout son peuple.